Eh, toujours en vie? J'ai un peu mieux regardé les environs et je me suis aperçu que cet endroit est couvert de miasmes. Ah oui? C'est beaucoup trop dangereux de s'en approcher, s'engraine Lumos, c'est impossible, même pas en rêve. Mais je n'avais jamais mis les pieds ici auparavant et je suis toujours debout. Alors un gaillard comme toi devrait y arriver sans problème. Je viens de voir dans mes lunettes quelque chose de très intéressant. Peut-être s'agit-il d'une représentation humanoïde comme Joshua en cherchait. Bref, de mon côté, je pars en direction de la racine qui brille, cap à l'ouest. Donc ça doit être ça. Et où est-ce que tu as vu une représentation? Dans tes lunettes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont nombreux, hein? Ah ouh! Et ils sautent, ok. Zut! Il en reste. Bon, va falloir que je me renourrisse. Oh, du sonium. Une graine. Oh, c'est intéressant ça. Je suppose que c'est par là. Alors, où sont ces graines? Il y a des bruits inquiétants, hein. Bon, par contre, il y a des bombes. C'est bête, hein? Il n'y en a pas un autre? Il y a du sonium. Je crois qu'il est mort. Je voulais juste regarder un truc. Appareil photo, c'est où? Ah ben non, j'ai pas encore. Toi, est-ce que tu vas prendre beaucoup de dégâts? Pas sûr, hein. Je sais pas où t'en es. Ah ouais, pas beaucoup, hein. Ah mais il m'a vu!
Corne de Moblin, puissante attaque en amalgame. Une épée. Ah mais il en reste un là. J'ai pas entendu de bruit, donc il doit rester quelqu'un encore. Hein. Ah, j'aurais pu te lancer plus loin quand même. Ah bah non, il n'y a pas de coffre. Je croyais qu'il allait y avoir un coffre. Par contre... J'espère que j'ai des cailloux, que je vais pouvoir accrocher quelque chose. Ouais, des bombes. Je vais pouvoir lancer un coup de bombe là-dessus. Pour essayer de casser tout ça. Du sonium. Il en faut plein. Sonium supérieur. Bonsoir Valérie, comment vas-tu? Ce précieux bloc de minerai est exceptionnel par sa taille et sa pureté. On peut en extraire une formidable quantité d'énergie, bien plus qu'avec une petite sonium normale. Beaucoup. Bon. Ah, il en reste là. Oh! Viens là, toi, je vais avoir besoin de toi. Je crois que je vais avoir fait le tour. Là, il en reste là. Et il faut que j'aille par là. J'ai pris quoi, moi, là? Non, non, prends les petites. Après, je peux pas aller trop par là. Il y a encore des méchants par là. Hein? Ils m'ont vu? Donne-moi ça. Bon,
ils ont pas mal de trucs rocailleux. C'est un avantage. Et il rigole pas, lui. Je suis pas dans les bons trucs, moi. Il va peut-être falloir que je relance quelque chose parce que je vois rien. Impeccable. Champi. Oh. Alors ça, faut que je le garde pour l'instant. Je sais que j'en ai laissé deux tout à l'heure à côté. Si je le casse celui-là, c'est pas grave, je suis pas allé en chercher un autre. Mais non, non, arrête, calme-toi, Link. Voilà. Oh, t'es qui toi? Bon, elle est encore en bon état. Par contre, t'es tombé où, toi? T'es tombé en plein milieu? Bah, je peux pas aller chercher ça. Hein. Quoique. Je lis pas, je prends pas le temps. Voilà. Je suis empoisonné? Non mais je peux pas... Pourquoi je peux pas reprendre de la vie? Bon, au moins je vais agrandir ma vision de la map. Vas-y. Ah oui, la racine purificatrice illumine les alentours. Ça y est, en fait je suis désempoisonné. Donc maintenant je peux manger, je pense.
Non, bah ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Voilà. Ok. Mais il n'y avait pas un truc autour là? J'avais cru voir. Ah bah il est. Un truc. C'est pas un truc, c'est Pharas. Oh, cette petite racine diffuse une sacrée quantité de lumière, dis donc. Et c'est très agréable. On se croirait presque à la surface. Et c'est peut-être simplement mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Ah, te voilà, j'ai failli attendre. Je veux te montrer quelque chose. Une silhouette dressée sur ses deux jambes et devant, et levant un bras au-dessus de sa tête. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la figure à laquelle s'intéressait Joshua? Celle sur le fragment cassé? Oui. Il est temps d'utiliser ton appareil photo. Eh oui, ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de ta tablette, c'est bien ça? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une de mes fonctions de base. Montre ta tablette, Prua, un moment. Sapristi, l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça. Et puis je tire là-dessus en touchant là. Appareil photo. Cette fonction de la tablette Prua permet de capturer instantanément en image une scène ou le portrait d'une personne. Cette image est automatiquement sauvegardée dans l'album. Encyclopédie. Ah, la collectionnite. Et voilà, désormais tu pourras utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie. Va donc prendre une photographie de la statue humanoïde, ça te permettra de tester cette fonctionnalité en plus. Ah, tester, fonctionnalité, deux mots qui sonnent doux à mes oreilles. Bref, une fois que tu auras pris une photo qui te plaît, viens me la montrer. Oui. Ah bah. Elle est très bien. Hey, toi le jeune, qu'est-ce que tu as de beau à me raconter? Si tu as capturé une image de la statue avec ton appareil photo, alors dépêche-toi de me la montrer. Bah, attends. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie? Une photo en tout cas. Extraordinaire. Excellent travail, le jeune. Je suis sûr que Joshua sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse de la lumière, une statue qui semble correspondre à ce que cherchait Joshua. Décidément, quand on cherche un peu, cet endroit a une vraie mine de découverte. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort du Guet, d'accord? Et ne fais pas trop attendre, Joshua. Oui, ma femme. Là, il y a encore plein de trucs. N'y a pas de baril. Ils sont nombreux quand même là. Et si je regarde la map. Donc si je fais ça. Oh. Ouais, il faudrait que. Ah, je peux pas remonter là. Non, ça me paraissait un peu compliqué. Dommage. Parce que au-dessus, il y a un sanctuaire. Mais est-ce qu'on peut monter?
Non, c'est trop haut, hein. Je peux rien faire par là. Et là, il y a plein de trucs dangereux. Donc ça voudrait dire qu'il faut se téléporter. Et est-ce que je peux revenir là? Si ça, je l'ai... Ah oui, je peux me téléporter sur les racines aussi. Oh, ça c'est bien. C'est-à-dire que je peux revenir là quand je veux. Et là, comme il faut aller voir Joshua, je peux me téléporter ici. Les fées qui guérissent vos blessures volettent souvent dans les cavernes. J'en ai pas vu là. Il est où? En face. Non, par là. Ah bah oui, là. Hey, le jeune, te voilà donc revenu. Montre à Joshua l'image de la statue humanoïde que tu as prise. C'est bien ça, c'est exactement ce que montre le fragment cassé de la dalle de pierre. Merci infiniment, monsieur le chevalier. Cette image semble confirmer que la silhouette représentée sur le fragment est bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte sensationnelle. Ça voudrait dire que les profondeurs de la terre étaient habitées. On doit continuer les fouilles pour trouver d'autres traces. Il faut que je retourne immédiatement à mes recherches. Mais avant cela, je voulais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Tiens. On pense qu'il s'agit de vestiges de civilisation Sonao. On les a remontés lors des expéditions des profondeurs. Ah, du sonium. J'ai l'impression qu'une puissance étrange y est enfermée. Je me demande si ce n'est pas une sorte d'énergie. Qui sait? Peut-être que ça pourra t'aider à retrouver Dame Zelda. Prends-les, s'il te plaît. Grâce à ton aide, j'ai compris ce que ce fragment cassé était essentiel. Il devrait nous permettre de faire la lumière sur un des mystères des profondeurs de la Terre. Pour commencer, je vais chercher dans nos trouvailles s'il y a d'autres fragments du même genre. Faras, monsieur le chevalier, merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Terminé. Oh, bah c'était cool. Et par contre, il n'y a plus rien là. Il m'a... Ah bah oui. Ce que je voulais piquer. Bon. Moi, je voulais aller là. Et on va aller vers l'ouest. Il est là-bas. Ah, c'est qui, lui, un marchand ou... Oui, il pleut. Bienvenue à la boutique ambulante. Ça fait du bien de prendre l'air dans la plaine comme ça, mon ami. Aussi, il a l'air d'apprécier. De quel ami je parle? Mais c'est évident, voyons. Mon ami toujours, à la longue crinière. Ah, donc, si je te laisse tenter... Ah, la spécialité du village des limites. Vas-y, fais voir ce que tu as à vendre. Ouais, pas grand-chose qui m'intéresse. Est-ce que moi, j'ai des trucs à vendre? Alors ça, surtout pas. Bah non, j'ai rien à te vendre. Pour l'instant, je n'ai rien. Ah,
je change d'arme. Ça, faut que je le garde. Ça sert toujours d'en avoir. Ah, mais il y en a deux là. Oh, vous allez m'embêter, vous. Ils sont deux. Bon, voilà. Ton nom, non. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Allez, en route vers le sanctuaire. Aïe, 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 aïe. J'aurais peut-être pas dû les affronter comme ça. Il me fait revenir où? Tout près. Alors, on pourrait essayer. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Confusion. Ce serait marrant, ça. Ben en fait, ça n'a rien fait. Ah si, ils se battent. Donc ils se tuent tous les deux. Ils sont morts tous les deux.